Mais sur Hassan Kamara, le crochet s'est perdu devant Villafania et ça permet à Tsivas d'aller en contre-attaque. Villafania avec Correa sur sa gauche. Villafania, ballon au pied, donne pour Correa. Selon poteau, il se fait rien, qui touche, attention. Oh, ça touche à transversal, toujours vivant. Et mort finalement. Et ouais, mais au nombre d'occasions qu'ils ont eues, ils ont finalement pu enfoncer le ballon derrière Troy Perkins. Ça a été une séquence très difficile pour l'Impact de Montréal. Et tout ça a commencé lorsque Hassan Kamara a perdu le ballon. Non, mais là-dessus, dans son tiers. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus, Frédéric, parce que tout ça a vraiment commencé avec une mauvaise décision d'Alessandro Nesta d'y aller d'une volée dans les airs par-dessus sa tête, alors qu'il y avait de la pression de la part du Chivas USA, un ballon qui a été difficile à négocier pour Ferrari, qui lui aussi a surjoué plutôt que de taper loin devant, et finalement, Torres.